السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم سيس غاز ميكرو. في الفيديو اللي دازت شفنا كومون تيتا الي اوغانيزي لي فيشي سو لينكس. في هاد الفيديو ان شاء الله غنشوفو كومون مانيبيلي سي فيشي. على بركة الله، دونك كنترول الت تي باش نافيشيو التيرمينال. دونك باش نافيشيو ان فيشي كاين اربعة ديال لي كوموند. باش نخدمو في لي فيشي غنبدل لو دوسيي بيرسونيل ديالي، دونك تشانج ديريكتوري سلاش فار سلاش لوك. Donc le dossier var Linux fait les traces. Première commande pour afficher un fichier, il y a carte. Quand on voit comme paramètre le fichier qui va afficher, par exemple syslog, tabulation entrée, comme que tu vois, on va afficher il y a le fichier syslog. Donc on va ajouter le paramètre, donc 4-n syslog. Moins n, tu es affiché là le numéro de la ligne. Par exemple, c'est 231. Voilà, il y a la ligne 231. 232, ainsi de suite. Mais le problème, tu es affiché là chicane d'un seul coup. Donc, je manipule en traitement fait les fichiers là, ça aide la commande 4. Donc, je cherche qu'il y a la commande less. Très, très puissant. Donc, less. Comme paramètre syslog, entrée, voilà, c'est affiché là le fichier page par page. Je vais afficher la page suivante, je vais dire espace, espace. Je vais afficher ligne par ligne, je vais dire entrée, entrée. Donc, il y a les flèches haut et bas, donc haut car j'ai la ligne précédente, bas la ligne suivante. Qui est égal la position de la halienne sur le fichier. Donc, la page fera 24-35 lignes. Maximum de les lignes, c'est 236 bytes. La taille, c'est donc 4,7 kilooctets à la 33,8 kilooctets. Le pourcentage, c'est 14%. Je vais vous dire quitter. Culon. Quelle est la commande more? Pareil, la commande less. Access log. Mais je vais vous dire que je vais vous dire. Si vous avez la commande 4 ls, vous affichez le fichier camel. Qui est la commande hide? Vous affichez les 10 premières lignes de le fichier. Donc, c'est cela. Entrez. Voilà, vous affichez seulement les 10 premières lignes de un fichier. Donc, nous avons comme paramètre moins n égale. Par exemple, 3. C'est cela. Donc, la commande, je vais vous aller. Afficher le fichier, c'est cela, mais seulement les 3 premières lignes. Entrez. Qui m'a fait l'arbre, afficher 3 lignes. Ou quelle est la commande tile pour afficher les dernières 10 lignes. C'est cela. Entrez, puis nous recherchons les derniers des lignes. La commande tile, mon kinzidora, moins n comme paramètre 5 par exemple, c'est slog, je affiche les 5 dernières lignes, ou avec les paramètres long, lines, égale, oops, égale 5. Pardon, moins lines. Voilà, comme vous l'avez dit, c'est pareil. Ctrl L. Je vais créer un fichier. On a déjà le dossier Home Daily, CD. La commande Touch. C'est la commande faite pour modifier la date de dernière modification d'un fichier. Mais qu'est-ce que nous avons créé un fichier. Par exemple, Touch, fichier 1. Voilà, nous avons LS. Voilà, fichier 1, ça passe. On peut créer plusieurs fichiers en même temps, c'est touch, pardon, touch, fiche par exemple 1, espace, fiche 2, espace, fiche par exemple .txt. Les fichiers avec l'extension ou bien sans extension, Linux, c'est pareil. Donc, entrée, ls, voilà, fiche 1, fiche 2, fiche.txt tant crié. Et là, on a un système espace flamand de les fichiers,
Sincèrement, les guillemets, comme ça, patch, guillemets, fiche, par exemple, 2020, guillemets, entrée, voilà, ls, vous voyez, fiche 2020 est écrite. J'ai créé un dossier, c'est mkdir, make directory, donc on peut appeler le nom de dossier, par exemple, le dossier. Entrée, ls, dossier 1. Donc, écrire plusieurs dossiers. Hal touch, donc dos 1 par exemple, dos 2, ainsi de suite. Donc, entrée, ls, voilà, dos 2, dos 1. Mkdir avec le paramètre moins p. Qu'est-ce que nous avons créé une arborescence. Par exemple, ds slash ds 2 ds slash ds 3 slash ds 30. Voilà. Donc, il y a un ls. Voilà. On a créé le dossier ds. Donc, ls ds. Voilà. Qui est le sous-dossier ds 2 et ds 3. Donc, ce dossier DS3, on va faire le sous-dossier DS30. LS, DS, slash, DS3. Comme vous le voyez, créer une arborescence. Les racines de la DS, on a deux branches DS2 et DS3. DS3, on a un sous-dossier DS30. Ctrl L. Donc, je vais copier un fichier. Installer la commande kp cp. Donc, quand on a le nom de fichier, il y a un copier. Par exemple, le fichier A. On a le nom de la copie. Donc, par exemple, fichier A copier. Entrée. LS. Voilà. Comme on a le fichier A et fichier A copier. On peut copier un fichier dans un dossier. Par exemple, fichier 1, copier ds, donc cp. Comme paramètre A, on attaque le fichier 1, le nom du fichier. Paramètre 2, le nom du dossier, ds slash. Entrée. Voilà, ls, ds, fichier 1. Pour copier un dossier, c'est la même méthode, mais avec le paramètre moins r. R majuscule. Voilà, donc DOS 2 par exemple. Partez le nom, ça sera LS. Voilà, ça sera Étoile Linux, il s'appelle Joker ou bien Wildcard. Qui permet de copier plusieurs fichiers. Donc LS, par exemple. Par exemple, nous copions tous les fichiers de type de FI. Donc nous dirons copier CP. Donc fi étoile, donc tous les fichiers, il qui est fi à être copié en là, par exemple desktop. Entrée, qui me fait tous les fichiers qui sont fi, on va copier au plus bien. Je copie un dossier, c'est pareil, c'est fait, mais avec le paramètre moins r majuscule. Donc, par exemple, copier ds, le dossier dos a. Entrée, donc ls dos 1 alcool le dossier ds. C'est copier aussi les sous-dossiers, par exemple les ls slash dos 1 slash ds. Voilà, ctrl l. Je me déplace un fichier ou bien un dossier, installons mv move. Donc ls. Par exemple, en déplaçant le fichier 2, le dossier document. Voilà, on dira move fichier 1 document. Voilà, donc ls fichier 1 elle disparaît. Je déplace un dossier, par exemple move ds document. Entrée ls. Voilà, DS, on continue.
Avec la commande move, on peut utiliser le checker étoile. Ls pictures par exemple. Comme vous pouvez voir, des 3.jpg, 4.jpg, image.jpg, image.mg.jpg. Donc, je vais déplacer les images qu'il y a en ligne. On va faire le move pictures slash étoile.jpg. Destination desktop. Voilà, donc on va faire le comme jpg comme je vais. Pour renommer un dossier ou bien un fichier, mais qui est-ce que je commande? Donc, qu'est-ce que c'est move? Donc, move, par exemple, fiche.txt, fiche.txt, utiliser par exemple texte. Pardon, texte. Voilà, ls. Voilà, le fichier txt a été remplacé par le fichier texte. On peut aussi déplacer un fichier et le renommer. Move fichier 1 ça sera slash par exemple texte texte 1. Donc ls ça sera le fichier 1 a été déplacé ça sera et renommé par texte 1. Ctrl L. Pour supprimer un fichier ou bien un dossier, on utilise la commande rem. Remove. Par exemple, fiche 2. Ls. Donc, fiche 2 a été supprimé. Kena remove avec le paramètre -i qui permet de demander la confirmation avant de supprimer un fichier ou bien un dossier. Donc, il va par exemple supprimer fiche 2020. Il y a un nom en espace, donc une demi-temps. Soit avec les guillemets, donc fiche 2020, voilà, ou bien sans guillemets, mais on va ignorer l'espace 2020. Donc, anti-slash permet d'ignorer un caractère, entrée, qui demande là la confirmation. Donc, N pour annuler, LS, voilà, le fiche 2020 existe, ou bien Y qui signifie yes. Pour supprimer. Donc ls, voilà le fichier a été supprimé. Remove avec le paramètre f pour forcer la suppression. On ne demande pas de confirmation, même s'il y a un problème potentiel. Donc moi f, par exemple, fichier un copier, entrée, voilà. Quel est le paramètre moins v, signifie verbose, donc parler beaucoup, permet de demander à la commande de dire ce qu'il est en train de faire. Donc, moi, je vais par exemple le texte. En bref, voilà. Remove le fichier texte. Ctrl-L. Pour supprimer un dossier et son contenu, c'est rm-r. Donc, par exemple, DOS 2. En bref, ls. Donc, DOS 2 a été supprimé. Quelle est la commande remove directory? Donc, pour supprimer un dossier, par exemple, CSRS. Le problème d'ira, on a qu'à supprimer seulement les dossiers les humains vides. RM-R, CSRS, entrée. Donc, CSRS a été supprimé. La commande, elle est très dangereuse. Il y a remove-f, r, slash, f1. C'est la commande de la mort. Est-ce que tu as la commande? Forcer la suppression de tous les dossiers des Kenny Flaras. Attention à ne pas faire. Voilà. Donc, CD desktop. Une autre commande dangereuse, c'est remove-f-r-étoile. Va supprimer là tous les dossiers, tous les fichiers des Kenny le répertoire actuel. Mais je vais aller lien pour desktop. Donc, entrée. Tous les fichiers de desktop supprimés. CD, CTRL L. Il y a ce qu'on appelle les liens. Donc, il y a les liens symboliques et les liens physiques. Mais je ne fais pas les liens, je ne fais pas comment les fichiers stockés sur le disque dur. Donc, les fichiers stockés sur le disque dur avec un nom et le contenu et les droits d'accès. Donc, les liens physiques permettent d'avoir deux noms de fichiers qui partagent exactement le même contenu.
fonctionne seulement avec les fichiers. Donc, mal les dossiers, matière là les liens physiques. Et là, qu'elle modifie par exemple le fichier A ou bien le fichier 2, qu'elle modifie le même contenu. Pour faire le test, on crée par exemple un dossier, mkdir test, entrée, cd test. Donc, on crée le fichier A, touch fichier A, entrée. Donc, on crée le lien physique, donc on dirait ln fichier A. Fichier 2 entrée. Donc là on a ls pardon ls moins l. Voilà qu'on a la colonne tania fera 2 donc le fichier A et le fichier 2 ont le même contenu. Si on supprime le contenu, on supprime le fichier A et le fichier 2. Donc on supprimerait le fichier 2 ls. Il y a un symbolique ressemble au raccourci sous Windows, donc on va les plus utiliser. Le principe, on crée un lien vers un autre nom de fichier, ce n'est pas vers le contenu, donc on pointe vers le nom de fichier. Je vais créer un lien symbolique ln mais avec le paramètre moins s, donc fichier 1 fichier 2 entrée. Je donne ls moins l. Le fichier 2, c'est un raccourci qui pointe vers le fichier 1. Donc les liens symboliques, directement aussi mal les dossiers. Par exemple, mkdir ts, ln, -s, ts, par exemple, th, ls, -l, pardon, ls, -l, voilà qui me galère th pointe vers le dossier ts. Cd, ctrl l. Je n'ai pour afficher un fichier qui la commande cat less style hey. Tout à fait, vous pouvez maintenant éditer un fichier. Pour éditer un fichier, il y a plusieurs éditeurs de fichiers. Les célèbres Nano, Vim, Emacs. Le plus simple fait, on voit Nano, vous l'avez demandé, donc Nano, en vrai. Ou on clique sur Librina, par exemple. Salut, ok, ok, bienvenue sur la chaîne CSS. Par exemple, on a les raccourcis pour travailler vite. Non. Donc, CTRL G, qui affiche le help, CTRL X pour sortir. CTRL K permet de couper une ligne, CTRL U pour coller, CTRL C pour afficher la position du curseur, 3/4, 1/1, par exemple, pour ce cas-là, CTRL C, la colonne 9/1, CTRL W pour la recherche, par exemple, sur, entrée, curseur, chaîne-là, sur, par exemple, tous. Voilà. CTRL O pour enregistrer, par exemple test, A, entrée. Pour quitter, CTRL X, par exemple les nano test, A, entrée. Voilà, il y a une modification, par exemple comme ça, CTRL X, donc CV, yes, test A, entrée. نتمنى أن هذا الفيديو نال الإعجاب ديالكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.